la Fondation Vodacom s'est rendue à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication afin de lancer les travaux pour l'installation d'une classe numérique en son sein. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Nous sommes venus lancer les travaux de la classe numérique qui sera installée ici à l'IFASIC. Là seront installés des ordinateurs et une connexion gratuite. Présent à ces assises, le recteur de l'IFASIC, M. Émérite Gambaye, s'est vu honoré par le choix de la fondation porté sur cet alma mater. Nous sommes également particulièrement heureux de voir que votre entreprise a choisi l'IFASIC comme point d'ancrage pour lancer non plus une expérience, mais une praticabilité de la faisation intellectuelle. Ce pas franchi permet d'inaugurer un partenariat bénéfique entre la Fondation Vodacom et IFASIC, étant donné que le numérique est un défi pour le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que l'ensemble du système éducatif de notre pays. Nous lançons commencer les activités et inaugurons le partenariat bénéfique entre Vodacom et l'IFASIC. La transition de notre modèle d'enseignement. La réforme actuelle du passage vers le LMD, comme c'est connu, va s'appuyer fondamentalement sur la numérisation. Donc il est bon que nos étudiants, nos enseignants puissent être initiés. Grande joie qui recouvre toutes les autorités ainsi que les étudiants, qui sont les bénéficiaires directs de cette classe numérique. Tous n'ont pas manqué à faire entendre leur ressenti à l'égard de cette œuvre. Sans le numérique, on peut évoluer. Et puisque nous sommes lancés dans ces défis, nous croyons que tout va aller et l'état de ce pays Congo et aussi de nous étudiants congolais, tout va changer. On ne peut cesser de remercier Vodacom, surtout l'IFASIC et nous, personnellement étudiants, on ne peut cesser de remercier Vodacom pour tout ce qu'il fait pour nous et qu'il continue toujours à le faire et nous serons toujours là pour lui. La Fondation Vodacom, à travers sa plateforme www.vodaeduc.cd, vise à digitaliser le contenu de l'IFASIC afin de permettre un accès aux multimédias et cultiver bien d'autres compétences. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible.